Et là, il y a des chasseurs, et dès que je vais arriver, ils vont commencer à se friter. Là, je m'en rappelle. Non? Non? Ok. Et oui, ma Reiter Spalach est à plus 10, les gars. Voilà, il est là-bas, là, le chasseur, ouais, avec son arme, là, le marteau. Ouais, ils sont stylés, quand même, les chasseurs à se friter comme ça. Allez, je vous tue, bande de petites merdes, là, parce que... Mais c'est stylé, en fait, d'avoir des chasseurs qui se fritent en même temps que nous, quoi. Oh, je l'ai loupé, t'es sérieux. Donc si j'ai bien suivi l'histoire, là on est dans le passé en fait. Hein. Là on est dans le passé en fait. Hein. Si je me rappelle bien, parce que c'est dur de suivre l'histoire de bout de bande tellement elle est... Ok. Alors, je trouve quand même que je suis presque niveau 100 et j'aurais pensé moins galérer. Hein. Bon, là, ça va, hein, mais j'aurais pensé quand même faire plus de dégâts et en prendre moins. Donc, ouais, le niveau de difficulté de ce DLC... parce que je suis en New Game, hein, je suis pas du tout en New Game Plus. Hein, le niveau de difficulté de ce DLC est élevé, hein, déjà, de base. Mais là, je pensais quand même les défoncer plus rapidement. Bon, quelque part, tant mieux, hein, voilà, hein, parce que ça va donner un certain intérêt, hein, évidemment, mais je suis assez surpris, là, quand même. Donc là, il y a un objet à récupérer, bon, là, je peux pas. Ah, les chiens. Eh oui, toi, tu connais pas la hitbox des escaliers, toi. Oh non, j'ai un coup qui a whiffé. Oh. Mais tu vois, les escaliers, je déteste les escaliers dans les Souls-like. Je ne le dirai jamais assez. Mais c'est horrible, c'est horrible. Bon, par contre, là, c'est bien. Là, le jeu est généreux en fiole de sang. Ça, c'est très bien, ça. Là, ici, il y a des corbeaux, je m'en rappelle. Mais avant d'y aller, j'aimerais récupérer l'item qui me manque. Oh non! Oh la crève. Oh, ils sont là, les corbeaux. Ok. Ouais, en tout cas là ça commence bien. Là le DLC commence très bien là. Alors ici cet objet là, ouais, fallait monter et aller sur la gauche. Non, pas ici. Plutôt par là, non? Je savais qu'il allait bourrer. Augure d'Ebrietas, mec. Augure d'Ebrietas. Conseil de chasseur, toujours avoir équipé l'augure d'Ebrietas. Cette attaque-là est certainement l'une des meilleures du jeu. Ah là, le coup près fouet. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ok. Ah, elle est orientée, en plus elle a un scaling de force, donc ça veut dire si je la mets, je vais faire des dégâts avec, hein. Je vais faire des dégâts, hein. Voilà, celle-ci, cette arme-là, franchement, elle est bien aussi, elle est vraiment bien. Et celle-ci, ça, c'est une arme, il faut vraiment que je focus dessus, parce que je l'ai pas beaucoup utilisée.
Donc c'est, on va dire, à mi-chemin entre un espadon et une épée droite, plutôt épée courbée, et là, clac, voilà. Et là, tu fais des gros dégâts avec ça, quoi. Ah, merde. Allez, ok, allez, on se calme, voilà, on reste focus. Richter Spallash, niveau 10. Mais celle-ci, faut que je fasse quelque chose avec cette arme. Celle-ci est l'arc de Simon. Faut vraiment, vraiment que j'utilise très sérieusement ces deux armes-là. Parce que c'est des armes en termes de design que je kiffe réellement. En plus, comment on appelle ça? En écho de sang, hein, ça paye pas plus que ça. Hein. Ça a rien à voir avec les ennemis de fin de jeu. Hein. Donc, voilà. Hein. La difficulté m'a l'air un tout petit peu plus corsée. Mais bon, je vais y arriver, parce que comme je le dis souvent et même tout le temps, à partir quand tu sais ce qui t'attend dans le jeu, c'est nettement plus facile. Hein. Dans tous les Souls, c'est comme ça, y compris évidemment dans Bloodborne. Il a bien reculé, mais non. J'ai pas vu combien il m'a donné, 1000 et quelques, non, tu vois, c'est un peu faiblard, hein, par rapport à ce que j'ai en fin de jeu, là, du côté de Mergo, avec des ennemis qui sont assez faciles à battre et qui payent nettement plus en écho de sang. Ok, donc là, on continue par là. Ah oui, là il y a le piège, oui, je me rappelle de ça, voilà. Là il va balancer la boule qui s'arrête où? Voilà, ok. Ok. Ensuite là ils vont rentrer à l'intérieur de la capitale là. Et à l'intérieur il y a un gros qui est bouillant. Voilà. Les tue, voilà, c'est lui. Pas dans les escaliers, s'il te plaît, descends. Eh bah, dites donc! Eh bah, dites donc! Et sachant qu'il y a un endroit où ils sont deux comme ça, là, je me rappelle très bien. Ah ouais, c'est chaud. Alors bon, c'est juste que je revois ces patterns et après ça va aller. Ah ouais. Putain, c'est sportif, hein. Mais c'est ça, Bloodborne, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ce jeu. Ce jeu est exceptionnel. Alors, le retour des cocktails Molotov, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Donc là, je vais mettre mon augure. Augure d'Ebrieta, c'est petit Onitrus. Allez, voilà, on va la jouer comme ça. C'est très bien. Voilà. Et bah, dites donc. Donc là, il y a un boss que j'affronterai plus tard, c'est Lawrence. Là, faut que je prenne son item. Ça va me servir pour après. Et à lui, ce boss-là, je l'affronterai après. Donc, qui est le monstre clérical du tout début du jeu. Et que j'affronterai après, en fait. Là, il est endormi encore. Et c'est plus tard, quand on fait je ne sais plus quoi, qui se réveille. Quand on retourne ici, on l'affronte, en fait.
Donc voilà, allez, on continue. Ah, les gros, j'aimais bien les affronter, eux. Après, c'est comme d'hab, hein. C'est juste me réhabituer à leur pattern pour bien cibler les moments où je peux taper, où je peux faire une attaque chargée, et après, ça ira. Hein. Voilà, donc encore un panorama. Ah oui, c'est vrai, il y a lui avec sa Gatling, là. Attends, là, pas le temps de savourer. Alors, il y avait une technique ici pour passer... Ah oui, ouais, putain, ouais. Oh, il m'a touché. T'es sérieux? Alors, faut faire attention parce que ces mécanismes-là reviennent hein, à la vie. Hein. Si je reset, si je retourne au rêve de cauchemar, et ça revient. Ah oui, leur truc là, leur mine là, ouais, putain. Allez, les chasseurs. Tu vas te friter contre eux, non? Ah, le décor. Mais non, le décor. Ah, mais non, le décor, c'est horrible là. Là, ils sont relous, eux, avec leur mine là. Moi aussi, je crois que je vais le débloquer cet objet-là dans peu de temps. Mais je sais pas, je kiffe pas, c'est pas trop mon truc. Oh, genre. Il m'a mis un petit coup de pied. Ouais, je me rappelle de. Ouais, tout ça, ouais, tout ça, c'est dur, hein, ouais, vraiment, hein, c'est vraiment dur, hein, la vérité, hein. Et là, à l'intérieur, là, il y a un piège, là, je m'en rappelle. Là, ils ont mis des explosifs partout, et il y en a un, il va lâcher le... Voilà, mon osmose, déclenchement tardif, c'est ce truc-là. Là, je peux passer par là, mais attends, je vais descendre ici parce que je me rappelle c'est ici que ça se passe. C'est pas ici, ils explosent tout là. Ouais, c'est ici, faut tout détruire. Parce que c'est tout ça là, ça pète là à la gueule. Voilà, tu vois, d'accord, en fait, c'était le corps qui était... Et le marteau à explosion, ouais, une autre arme encore bien originale, donc qui... Ben c'est l'ennemi que je viens d'affronter, c'est ce qu'il avait, hein. Le marteau à explosion, donc qui est un marteau, mais qui... Voilà, tu peux l'enclencher comme ça, donc rajouter des effets de feu. Ouais, d'accord. Voilà, en fait, ouais, tu peux combiner comme ça. En fait, tu tapes, tu le recharges, tu tapes, tu recharges, etc., etc., ouais. Ouais, le marteau explosion aussi, mais moins prioritaire que l'autre, là. Putain, j'ai déjà oublié son nom. Le couperet fouet, et le, évidemment, l'arc de Simon. Alors ici, je me rappelle que c'est très dur ici. Parce qu'il y a des chasseurs dans un endroit clos, mais de mémoire, ça aboutit à un raccourci. Alors là, je marche doucement. Ouais, là, il y a lui. Ouais, je le touche.
Allez, ramène-toi. Voilà. Parce que je... il est pas seul. Il est pas seul. Allez, viens, descends des escaliers. Oh, descends. Oh. Ouais, beau combat. Beau combat. Très beau combat. Badge de max à explosif. D'accord, ouais. Donc ça, c'est pour débloquer les trucs explosifs à la boutique. Alors, comme j'ai dit, il me semble qu'il n'était pas seul. Donc il n'y a rien d'autre, il n'y avait pas un raccourci là ici. Il y avait juste lui à affronter. D'accord, en fait c'était pour débloquer son badge en fait. D'accord, ok. Bon bah ok, pourquoi pas. Alors là je vais revenir pour me ressourcer hein. Franchement je vais revenir en arrière pour me ressourcer parce que de toute façon là où je vais aller alors soit je peux aller ici, mais avant ça, voilà, ici en hauteur il y a une ou deux petites voilà, une ou deux petites choses à prendre, voilà, comme ça par exemple. Ok, et après le reste ça se passe là-bas. Alors, et donc pour y aller, ouais, donc là je peux continuer là pour avancer là, aller affronter les tics, ou aller là sous le pont. À l'intérieur il y a aussi une arme intéressante, mais il y a des ennemis, il y a du mouvement là-bas, il y a du mouvement. Donc, hop, ah, j'ai plus beaucoup de marques téméraires, faut que je fasse gaffe hein, quand même. Donc là, je vais revenir en arrière pour me ressourcer. Je vais en profiter, franchement, je vais passer un niveau. Parce que... Tu vois, c'est con, pourquoi il me ressource pas en haut à gauche, quoi. C'est... Bref. Donc, je vais me ressourcer, je vais passer un niveau... Donc pour passer le niveau, comme d'hab, hein, loft de Mergo, milieu. Et je tue quelques ennemis. Alors, pour éviter de faire ça, il faudrait que je fasse le calice là de niveau 4, de Loran. Parce qu'il donne accès à... Alors, je sais plus si c'est le calice de Loran ou le calice 10... Mais il y a un des deux qui donne dès le début accès à des ennemis, les petits extraterrestres qui sont en nombre et qui donnent énormément. Oh, genre, je l'ai pas touché. Il donne beaucoup.
Non, tu vas pas m'avoir comme tout à l'heure. Oh, on s'est loupé. Ok. Mais bon, avec eux aussi, ça va assez vite, mais vraiment, les petits extraterrestres, c'était très pratique, quoi. Après, je sais plus c'était quel calice, précisément. Il me semble que c'était un des calices de Loran, mais un calice vicié. Ouais, je devrais mettre attaque viscérale plus déco de sang contre eux. Quand je vais farmer comme ça, parce qu'ils donnent vraiment beaucoup, eux. Ils donnent vraiment, vraiment beaucoup. Il faudrait que je fasse ça. Allez, amène-toi. Va pas appeler ton pote. Allez, viens. Allez, viens. Putain, d'habitude, il rush, là, voilà. Il a lâché quelque chose. Ouais. Oh, le truc, il est en hauteur. Non, mais t'es sérieux? Ah, c'est ridicule. Ah, c'est ridicule. Faut que je le prenne, parce que c'est des fioles. J'en ai besoin. Franchement, je vais faire le crevard. La vérité, je le prends. Voilà, je l'ai eu. Putain, c'est ridicule. Hein. Franchement, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Et pourtant, oui, je l'ai fait. C'est dire. Hein. Donc voilà, allez, retour au bercail, on passe un niveau. Et ensuite, je crois que je vais conclure là pour, on va dire, une sorte de partie 1 du début du DLC. Je crois que je vais faire ça comme ça. Mais c'est efficace hein, de faire ça, hein, là, pour passer un niveau, tu sais, quand j'ai, allez, on va dire, au-dessus de 30 000 échos de sang. Tu vois, je fais ça vite fait, ces petites runs-là, et encore, hein, je suis sûr que je peux bien optimiser pour faire mieux. Donc là, hop. Donc, on a dit, cette fois-ci, on va augmenter la force. Donc là, on va voir, hein, tu vois, ça augmente les dégâts des armes et ça augmente ma défense physique. Alors certes que de 1 point, mais c'est petit à petit. Hein. Alors avec ce qui me reste, je vais voir ce que je peux faire avec le couperet fouet. Tiens, alors, ouais, donc là, c'est des jumeaux, donc là, pas de problème. Voilà, et là, on arrive au morceau de sang. Alors, je vais juste voir ici, pour le pistolet, il m'en manque deux. Ouais. Tu vois, là, je passerai quand même à 155 en attaque. Alors que ma silence qui est à plus 9, elle est à 170, hein, tu vois, c'est dire, hein, donc c'est puissant. Et le scaling, il est orienté vers la force, alors certes, il donne pas beaucoup, mais en mettant les bonnes gemmes, les gemmes et les joyaux, je serais bien. Donc là, la question, c'est est-ce que je l'augmente maintenant ou est-ce que j'attends pour mettre mon pistolet? Bon, je pense que je vais attendre. Je vais attendre, par contre, ce que je vais faire... Parce que je vais être pressé de la tester. Je vais être pressé. Ça, je sens que je pourrais pas. Alors, humide apaisante. Ok. Donc là, en dégâts physiques. Ok. Ensuite. Donc toujours un humide apaisant. Voilà, lui donne 125, ok. Donc c'était hein, qui donne des dégâts physiques. Hein. Là on a dégâts contendants, ouais, plus 128 quand même. Hein. Ensuite dans les joyaux, c'était les je ne sais plus. Ouais, voilà, c'est les sanglants nourrissants. Voilà. Ok.
Donc là, on va faire une petite comparaison. Donc là, avec le tac, ok, si je le mets là, donc je suis à 156 en attaque. Ok. Tu vois. Regarde, là j'ai 146 en attaque. Le silence j'ai, qui a plus 9, donc 3 niveaux de plus, je suis à 157, hein, tu vois. Donc c'est dire, hein. Tu vois, ma Writer's Palace qui a plus 10, j'ai 150. Là, le couperet fouet, j'ai 146. Tu vois, c'est énorme, hein. C'est énorme. Après, peut-être que là, ça prend en compte les joyaux que j'ai mis. Mais toujours est-il que c'est énorme, hein. C'est énorme. Allez, on va se mettre en Henrik. Et voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Ben, y retourner, hein, en fait. Non, pour y retourner, c'est là-bas. Sachant que là, je peux m'acheter mon rocher de sang, hein, pour mettre ma silence à plus 10, hein. Là, si je consomme toutes les lucidités que j'ai avec moi, je peux mettre la silence à plus 10. Mais là, je le fais pas parce que là, je vais pas l'utiliser là. Mais je devrais. À partir du moment où je peux la mettre à plus 10, je devrais. Hein. Franchement, je devrais l'utiliser. Allez, on va juste se faire un ou deux ennemis comme ça. Après, je vais conclure ici la vidéo qui va servir de part 1. Ah ouais, tu vois, là je fais 200 et quelqu'un. Ah, je pensais avoir esquivé. Je pensais avoir esquivé. Ouais, eux en fait, il faut esquiver en deux temps en fait. C'est-à-dire quand il charge son attaque, faut pas esquiver de suite. Ouais, ça va chercher loin. Par contre, ça bouffe l'endurance, hein. En fait, faut vraiment faire un coup quoi, en fait. Voilà, à distance comme ça, là, ouais, putain. Avec vivement deux morceaux de pierre de sang que j'augmente mon pistolet et après je serai bien. Après je serai bien. Ouais, c'est bien la lumière du soleil. Tu vois, en plus, c'est ascendant, ouais, c'est pratique, hein, ouais. Non, elle est terrible cette arme. Elle nécessite quand même d'être maîtrisée. Ouais, là, je l'ai touché, hein. Ouais, je kiffe quand il faut gérer la distance comme ça, là, ouais. En fait, c'est une arme lourde, hein, en fait. Hein. C'est considéré comme une arme lourde, hein, parce que ça bouffe l'endurance.
Et ça fait des dégâts, ça repousse les ennemis. Donc c'est vraiment considéré comme une arme lourde. Hein. Mais c'est stylé, putain, je kiffe trop. Franchement, je kiffe trop. Après, c'est selon les situations. Hein, parce que tu vois, une situation comme celle-ci-là avec les chiens, là, je pense que c'est peut-être un peu moins adapté. Non, quoique, hein, si elle est... Alors c'est son fusil là, lui là. Son fusil à lui aussi, il est bien. Je crois qu'on le loot aussi dans ce DLC. Ouais. Donc voilà, hein, c'est une arme qui est stylée, mais qu'il faut utiliser avec... Par contre, ouais, c'est ça qui est kiffant. C'est que l'attaque R2... Le contrôle absolu, ok? Ouais, en plus elle fait ça. Et si je tape ça? Là, tout à l'heure, je l'ai touché en faisant ça, voilà. En la remettant en dur comme ça, là. C'est de la frappe. Ah, de la vermine. Ah oui, tiens, ça me fait rappeler qu'il faut que j'aille voir l'autre, là. La raid de Kane Earth. Ah, c'est vrai, j'ai complètement oublié ça. J'ai complètement oublié ça, ouais. De toute façon, les quêtes des PNJ, je suis pas bon dans ce jeu-là. Ça vaut dans la crasse. Ouais, il faut que j'aille redonner ça à l'arène. Ok, bon, ben, je vais m'arrêter là pour cette vidéo.